Salut à toi, cher auditeur, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, il sera question de supprimer les dalles qui sont dans le projet, de modifier leur forme et également de modifier la section de façon à placer les dalles qui conviennent à l'endroit où il faut. Et le résultat que nous souhaitons obtenir juste après, c'est les dalles sélectionnées dans le projet à l'instant. On se retrouve donc directement sur l'interface du logiciel pour démarrer notre tutoriel. Il sera question dans un premier temps de supprimer les dalles, ces dalles-ci qui n'ont pas de bonne forme dans le logiciel, et ensuite de les modifier. Donc on va les supprimer directement. On va sélectionner cette dalle-ci et celle-ci. On va venir sur Edit. Et on va cliquer sur Delete. Voilà, on va redescendre encore. Donc, on va sélectionner là. On va sélectionner. On va encore descendre. On va sélectionner ici. Et là, on va encore descendre. Et on sélectionne là. On sélectionne là. Voilà, nous sommes arrivés au dernier niveau. Donc, on va revenir encore sur Edit et on va cliquer sur Delete. Voilà. Pour être sûr d'avoir supprimé, on peut juste venir faire un clic et on remarque qu'il n'y a rien. Ou remarquer que la couleur de nos poutres n'est plus rouge. Parce que lorsqu'on a une dalle dans un endroit, les poutres ont une couleur rouge. Parce que c'est la couleur de la dalle. Ok, donc on va donc construire nos dalles. On va venir juste ici et on va faire des un clic droit sur cette dalle-ci. Et on remarque que nous sommes sur la dalle 01. Ok, donc nous allons également construire des dalles 01 à ce niveau-ci. On va prendre ce mode de construction-ci, le mode de construction rectangulaire. On va rester sur dalle 01 et ensuite on va cliquer juste ici et là. Ensuite on vient cliquer ici et là. On vient encore là. On clique ici. Ici et là, et enfin on va cliquer ici et là. Parfait. Donc on va choisir notre flèche. Maintenant il y a une autre méthode encore pour créer les dalles, et c'est venir cliquer ici. Et c'est venir comme ça à l'intérieur et on clique là. Maintenant, le problème avec cette méthode ici, c'est simplement le fait que lorsqu'on utilise cette méthode, lorsqu'on va créer, elle va créer nos dalles uniquement au niveau des grilles. Donc, cette méthode ici a juste été donnée pour que nous puissions la connaître. On va supprimer. Voilà. Donc maintenant nous allons donc sélectionner nos dalles, les dalles nouvellement créées. Donc on a celle-ci, on a également celle-ci, on a également celle-ci, celle-ci et celle-ci. Après avoir sélectionné cette dalle-ci, on va venir sur Edit. On vient sur Edit, Edit. Ensuite on va choisir Replicate, on va garder 1 à ce niveau-ci. Maintenant, il sera question donc de placer cette dalle-ci, à ce niveau. Donc, au niveau de notre étage, toiture. Étant donné que ici, nous sommes à la hauteur 3 mètres. Donc,
Là, dans le projet, c'est la hauteur 12 mètres. Et 0, c'est à ce niveau-ci. Donc, ici, nous sommes à 9 mètres à ce niveau-ci. Donc, on va entrer 9. OK. DZ ici, on entre 9. Et on va cliquer sur appliquer. Voilà, on va cliquer sur OK. Maintenant, on va aller au niveau 12, donc on va sélectionner ici. Et on va aller au niveau 12 juste pour vérifier. Et donc, on va cliquer là. OK. On remarque que nos dalles sont au bon endroit. Voilà. Maintenant, donc, on va faire un clic droit sur cette dalle-ci. Et là, on remarque que nous sommes sur des dalles pleines. Voilà, on remarque que nous sommes sur des dalles pleines. On va donc fermer. Et quand on vient faire un clic droit ici, on se rend compte que ce sont des dalles 0,1. Donc, on va fermer. On va donc venir juste ici et on va sélectionner cette dalle-ci, cette dalle-ci, cette dalle-ci, celle-ci et celle-ci. Et on va donc venir sur. Nous allons venir sur Assign. OK. Assign, on vient sur Area. Area, on prend Section. Maintenant, donc, on va venir sur Dalle pleine. On va venir sur Dalle pleine, juste ici, et on va cliquer sur Appliquer. OK. Donc, maintenant, on a transformé toutes nos dalles de notre étage toiture en dalle pleine. Après avoir donc effectué ces paramètres aussi, il sera question dans la prochaine vidéo de charger et de modifier encore la position de certains éléments. Si vous avez eu des difficultés par rapport à cette vidéo aussi, vous pouvez poser vos questions en commentaire.